Bonjour, comment nous y est? Bienvenue sur plateforme Léona Choa. La vie haïtienne dans Mexique, c'est rubrique ça qui en pile mon apprécié jodi a par rapport à des vidéos qui m'a publié sur plateforme nan pour nous capable montrer comment ça y est pour haïtien dans pays Mexique. Est-ce que nous songez meeting qui était fait devant Comal, ça fait quelques semaines côté un groupe compatriote te prend initiative avec pancarte dans main. Yo t'a exigé l'état mexicain pour capable tendre relio tendre crio parce qu'il y a des mois dans pays Mexique de façon irrégulière pour non pas dire illégale. Côté yo t'a exigé résidence pour qu'il soit capable circuler et travailler convenablement. Alors meeting ça a porté fruit. Parce que Acnol, qui c'est organisation de l'ONU, qui trouve dans le pays Mexique, qui travaille de concert avec Comal, pour capable aider les gens qui viennent demander refuge dans le pays, a demandé un meeting. Meeting ça lui-même, il est arrivé organisé grâce à la Fédération de la diaspora haïtienne dans le pays Mexique, qui est en tête de Pasteur Frisnel, avec plusieurs autres membres encore. Alors, je dis à nous présents pour que nous capables de voir exactement qui s'est parlé dans le meeting, qui est espoir compatriote qui est capable de gagner. C'est ça que fait m'a demandé de rester connecté pour un reportage complet des meetings, une réunion qui est capable de porter fruit pour compatriotes qui illégal jusqu'à présent, qui n'ont pas de résidence pour travailler et circuler dans le pays. Rester connecté avec Léona Show, pas oublier de quitter un commentaire et puis de suivre la plateforme si vous pouvez faire ça. Non, c'est Frisnel, qui c'est pasteur. Et non, c'est Frisnel, qui c'est pasteur de l'Église évangélique chrétienne du Mexique. Et aussi pasteur de l'Iglesia de Christ au Siquem, parce qu'ici, nous avons deux églises. On l'église communauté mexicaine et on l'église communauté haïtienne. Et mi nombre es Frisnel Joseph, pastor de esta iglesia, y es un gusto recibir a la delegación de ACNUR aquí, que normalmente viene a hablar con ustedes de ciertos puntos muy importantes, ¿sí? Y gracias a Alejandra, que normalmente facilitó todo eso para que esta junta sea posible, ¿sí? Y normalmente, como les dije, tan como te dino, son contentos con ACNUR. ACNUR, que es agencia de la ONU para los refugiados, ¿ok? Que son organismos que acompañan refugiados, migrantes, quel que soit côté, yoye, nan, y monta, ¿voilà? Eh bien déjà, bienvenue et à nous tous. Nous la caillons et mettez-nous à l'aise. Et vamos a passer le microphone à Alma qui va liderar esta pregunta. Bueno, primero les ofrezco una disculpa por la demora. Sabemos que la cita era a las 10. Ha sido mi responsabilidad. Encontré algo de complicación para llegar aquí el día de hoy. Pero gracias a todos por su presencia, gracias a todos por el interés en venir a dialogar el día de hoy. No sé. Okay, bonjour tout le monde. Jean, collègue, nous présenter là, nous parlons c'est Alma et nous parlons c'est Jimmy. Nous tous deux travaillons dans ACNUR, qui c'est l'Agence Nations Unies pour réfugiés. Demandez-nous excuses parce que l'été arrive un petit jantard, parce que nous avons commencé beaucoup et puis bonheur, mais il y a quelques complications pour l'arrivée là. Donc merci en pile parce que nous là et nous allons partager l'information avec nous. Bueno, quisiera pedirles si pudiéramos, para no estar así, poner en herradura las sillas. ¿Sería posible? Porque lo que queremos hacer el día de hoy es más bien una conversación, un diálogo entre todas y todos. Muchas gracias al pastor por abrir este espacio. Esta conversación
se originó, o esta intención de conversar con ustedes se originó porque algunos de ustedes manifestaron su inquietud, sus dudas, su inconformidad al exterior de la Comar. Es por eso que el día de hoy queremos desde la ACNUR conversar con ustedes para identificar cuáles pueden ser los retos y algunas posibles soluciones y propuestas a las inquietudes que ustedes expresaron afuera de Comar. Ok, primero, nous remercions Pasteur qui a nos posibilités pour que nous puissions parler avec nous aujourd'hui. Et objectif réunion ça, c'est pour que nous puissions parler avec nous après que nous avons manifesté mécontentement dans Comar. D'accord, côté que aujourd'hui nous venons là pour nous comment nous capables d'avoir une solution avec les défis que nous gagnons avec toute plainte que nous avons portée devant Comar. Non, moi c'est Jean-Claude Dossainville. Moi, bien content de réunir ensemble avec nous ici à là. Moi-même, je ne suis pas un migrant pour dire que j'ai quitté la caille Haïti pour venir au Mexico. Moi, j'ai des timon ici dans l'université. Moi, j'ai vécu une expérience ici au Mexique, mais c'est un pays qui est chargé avec racisme. J'ai eu 6 personnes qui étaient ensemble avec moi, qui arrivaient dans l'immigration. Là, dans Benito Juarez, là, y a un visa normal. Je crois que c'est seulement haïtien qui ont traité comme ça, même j'avais des animaux. Ça a fait mal en pile. Je passe des nuits presque, je ne vais pas dormir dans le jet. Je me dis, mais est-ce que les gens c'est humain? Parce que pas aucun pays au monde, y a des gens aller dans une ambassade, ils ont un visa 6 mois, ou paraître dans une immigration pays, ou un visa normal, ou un tout bagage dans un passeport normal. Et puis yo dit non OK ou gen koto pour aller dans hôtel ou gen tout ça yo mande yo et puis dit fait que c'est noir ouyé ou bien dit fait que c'est non pays qui gen problème et puis agent immigration yo agi même j'avais maître et seigneur yo prend yo metto non ti chambre froide ou fait 2 jours ou fait 3 jours ou pour un traitement inhumain et yo font madame ça qui était malade qui a venu ici ensemble avec petite li. C'est ça qui te fait plus mal. Vous mettez une petite chambre froide, vous faites 2 jours, 3 jours, sans manger, sans boire, sans faire toilette. Après, vous expulsez pour lui retourner à Cuba. Et pas de rien. Pas aucune organisation doit de l'homme qui était là pour dire bon, nous avons immigration, mais ça n'est pas bon, il faut que nous avons un visa. Il doit avoir bon, pour être après les Nations Unies, on ne peut pas avoir un pays fixe, ou capable d'aller dans n'importe quel pays où vous voulez dire que vous. Respecter principe ou gen visa sou passeport ou gen tout bagay, mba kwen nan immigration Mexique bon sorte raciste totalement. Bonjour tout le monde. Donc moi-même moi te gen ta ale nan Comar parce que lè mwen rive nan bureau Comar, Comar te di nou bureau sa la pou aider capable aider immigrants surtout moun ki bezwen fè azil pa bon isi Mexik. Donc moi-même mwen vle fè azil isi. Se sa fè mwen te ale. Par la suite et mwen siye plusieurs fois parce que te mete chaque mardi moun suppose venir ben siye. Donc mwen fè ça chaque mardi et mwen te gen rendez-vous 29 mai. Pour me aller faire coulpe, je crois. Et 29 mai, donc, comme elle était fermée. Et par la suite, moi nécessité résidence parce que moi sorti Haïti. Et tout le monde connaît et fait ça qui a traversé Haïti dans ce moment-là. Ok, donc, et ce qui est important pour nous dire, c'est que, et réellement, Jean Zamian dit non, c'est que. Et Comar là vraiment pour l'aider réfugiés et Zamian te dit et migrants et pour nous commencer nous voulons faire différence entre un monde qui immigrant et un monde qui réfugié. A nosotros nos interesa investigar por qué esa persona no tiene trabajo en su país, ¿no? Porque a veces el hecho de no tener trabajo deriva de una situación de peligro. Lo importante para saber si somos personas refugiadas o no es preguntarnos si en nuestro país hay peligro contra nuestra vida o nuestra libertad o nuestra seguridad. Entonces, esa es una primera pregunta que quisiera que ustedes se hicieran de manera personal, interna.
OK, donc différence qui gagne entre un monde qui réfugié avec un monde qui immigrant. Réfugié à son monde qui quitte pays parce que li gagne un malais qui pendait sous tête li. OK, ça veut dire que une situation de violence qui mettait vie mon nan ou bien liberté mon nan en danger. Tandis que un immigrant son monde qui quitte pays cap chercher meilleure opportunité dans l'autre pays. Par exemple, et petit monsieur que tu parlais avant qui t'expliquait que petit a étudié ici, nous pas considérer monde ça par exemple comme un monde qui réfugié, nous pas considérer comme étant un monde qui immigrant. Par exemple, moi-même qui rentre au Mexique en 2010, qui vient étudier, je ne peux pas considérer comme étant un réfugié, je ne peux pas considérer comme étant un immigrant. Ça veut dire qu'une fois que je quitte le pays, je cherche une meilleure opportunité, soit une meilleure opportunité de travail, soit pour l'école, pour études, tout ça, je ne peux pas considérer comme étant un réfugié, je considère comme étant un immigrant. Quand il y a une question que les collègues m'ont invité à nous poser, est-ce que nous quittons le pays nous? Parce que nous avons un malheur qui pendait sous tête nous, une situation de violence qui te mettait vie nous, ou soit liberté nous en danger, ou du moins nous quittons le pays parce que nous quittons le pays pour venir chercher une meilleure opportunité ici au Mexique. Moi-même, je suis capable d'annoncer un autre cas qui est différent de ça nous sommes présentés dernier. Moi-même, j'ai entré sur visa familial. Visa familial, comment il est? Oui, c'est. Oui, c'est, madame. Madame Okubaou? Oui, et puis normalement, les gens qui étaient pays. Et puis moi-même, je prends une décision pour me faire processus là. Et puis, je fais tout le processus, je paye normal. Mais je dis mon obligation, faut que madame moi là pour que je paye tout le document, un jour pour m'aller pour m'aller signer. Par contre, si je tape tout le monde, résidence. Mais il va pas où je suis. Il va pas où je dis faut que les disponibles me disent. Il y a vraiment quelqu'un qui était payé, qui est moi, impossible pour me faire le vin. Mais il m'a demandé qu'il faut que là, il va pas. Il y a des gens qui viennent là qui ne peuvent pas inscrire du tout. Comme elle fait, mais il n'y a pas d'accès. Il y a des gens qui sont là qui ont été en dedans. Comme elle fait, mais il n'y a pas de continuer. Mais même dans le cas, comme elle va dire immigration, pas va être là encore. Mais ça va. Il dit ça, non, ça va pas protocole. Ça, son visa N. C'est lui qui représente le ticket. Il dit qu'il y a 4 travaux avec. Pas aucun travail qui voulait recevoir ma ça. Yo dit non, ça va pas là. Et sous le troisième paragraphe là, immigration dit oui, yo bon accès pendant une année, moi qui travaille sur le territoire. Pas de travail qui veut le prendre. Et puis deuxièmement, immigration, bon, j'en traite le dossier, je ne peux pas dire que c'est raciste. Mais il faut nous être clair, quand on passe la semaine passée, on fait presque une semaine, je monte dans l'immigration avec un ami, qui a un protocole permanent qui est comme le Bali. Je suis deux fois avec l'immigration. Je suis lundi, agent d'immigration fait me comprendre que le pape va me suivre avec là. Il est clair sur ça. Nous tournons dans ma vie, dit clair le pape Bailey. Troisième jour, je suis en défense publique. C'est une belle résolution. Oui. Et bien, il y a une résolution. Il y a deux. Immigration reconnaît les ballons en résolution favorable qui dit qu'il reconnaît les comme résident permanent, plus comme le Bailey. C'est qu'il y a tout le résidence là. Pendant deux fois, je suis en Bailey. Et puis, je suis en défense publique. Défense publique, bon, mon avocat. Nous sommes venus, il me s'est campé devant, il me dit que je ne viens pas là. Et même jour, il est en l'air avec les citoyens qui ont résidence. Ça veut dire, monsieur, vous avez traité le dossier, ça veut dire par rapport à la couleur ou bien par rapport à haïtien. Il faut nous clair sur ça. Oui, tout à l'heure, on a parlé de droit que les réfugiés ont. Ils ont un droit que Vito, et on a résolu là, je dis, est très fragile là, quand même, comme réfugié, je félicite. Mais tout est passé pour une solution, ça, comme à Babo Mouen, c'est question santé. Quand je parle de moi, je vais descendre. J'ai un problème de santé. Comme je l'ai dit, pour les médecins sans frontières, je ne connais pas. Je ne vais pas faire un mois. Et que je fais un statut réfugié à la Comal. Je suis bon, tramité là déjà. Je suis en migration deux fois déjà, la troisième fois. Je suis bon rendez-vous dans 10 jours pour l'immigration. Tout le monde avec santé, je ne dis rien avec santé. Et que. Vous avez une résolution permanente? Non. Pardon, une résolution positive là? Non, il y a tramité dans la même seconde. Ah, ou bien un protocole là? Et le protocole là, il va être tramité. Ok, c'est les mêmes. Il y a quoi de. L'immigration est mon premier, mon deuxième, son troisième, c'est pas l'immigration actuellement là. Qui dit que le rendez-vous dans 10 jours. Dans 10 jours, ça va beaucoup arriver. Mais comme l'état de santé de jour en jour la plus mal, je fais un mois, 15 jours, je vais sortir. C'est lundi, à midi, je vais sortir. Je vais prendre la vie. Mal quand médecin dit que moi comme pour moi inflammation pulmonaire abdominale tout bagage ça. Bonsoir tout le monde. Et Léonard Chom, salut. Je suis content aujourd'hui. Question pamna,
si que un monde gagne ticket 1 an, comment que un monde capable aider li gagne ti moun Haiti pour prendre, tandis que yo dit que pour et capable faire démarche pour ti moun, faut qu'on gagne résidence là. Comment que yo capable aider si que me besoin pour ti moun pour que me capable voye prendre mais c'est ticket 1 an que me gagne. Ben, premièrement, il faut me saluer et Léona Chou et toute l'équipe Léona Chou, tous les téléspectateurs. Ben, tant qu'on est Léona et nous-mêmes, nous travaillons pour la communauté. Nous travaillons pour la communauté haïtienne dans le Mexique et c'est pour ça que nous toujours chercher de nouvelles perspectives pour permettre à chaque monde capable et régulariser dans le pays. Okay? Et c'est une raison qui fait aujourd'hui, nous te planifier rencontre ça ensemble avec et ACNUR qui c'est Agence de l'ONU pour les réfugiés. Nous comptons en pile et rencontre ça qui s'est fait là. Nous, en pile, moun pose question, en pile, moun dit préoccupation. Et c'est ça même nous voulons. Nous-mêmes, nous pas voulons les organisations viennent dire ça pour nous dire. Mais eux-mêmes, c'est eux-mêmes pour venir, pour venir parler ensemble avec les compatriotes haïtiens qui citent Mexique. À quel pourcentage vous satisfait des réunions après? Ben pratiquement faut me garder à n'importe 70% 80% que me satisfait parce que premièrement ça me besoin c'est que mon yo tande préoccupations et haïtien. Et qui promet sur faire communauté a? Ben tant que déjà well en dans sous fonti avancé ou après que déjà yo gagne et information mon yo a prend là. Ça veut dire tant qu'on connaît que on prend et ACNUR c'est pas l'État qui est, non? Et pas l'État, mais il y a de bonnes connexions ensemble avec l'État et ensemble avec Comar, ensemble avec immigration et l'État mexicain en général. Ça dit normalement, il y a une sorte de bagage qui va le faire là, il prend dossier mounio, prend toute information mounio et eux-mêmes il va le faire en sorte de plaidoyer devant et autorités concernées pour capable bailler mounio papier. Est-ce que l'initiative ça sorti de la part des fédérations ou bien? Oui, l'initiative ça est sorti de la part de fédération et de la part de l'Église évangélique chrétienne du Mexique, OK, qui c'est des institutions qui travaillent ensemble et pour aider communauté dans le pays Mexique. Bon, sauf que moi-même pour raison que moi t'ai venu, on pas une solution. Mais quand même passer avec monde qui peut gagner aucun papier dans Comal et ça qui était commencé papier dans Comal malgré Comal vient fermer pense que son bon bagage que a fait ensemble avec Haïtien. Bon réunion moi elle a bien marché là jusqu'à présent Léona Chou sauf que ça m'a pas attendre dans avec notre dame beaucoup jeune parce qu'il me pensait avec notre tape en cap et en même comme il dit après font petit temps il y a rien pour partager quelques idées mais réunion important et puis déplacement tout ça a coûté cher dans Mexique je te pas décourager avec population et puis je te qu'on me fait parce que c'est tout en pile pour service. OK malgré que objectif que me pense que te gagner moi qui le raté lui nous pensait que c'était tout le monde qui était déjà participé dans meeting qui était fait devant Comal 2 mon ça te gagne liste avec nous te prend te dit que mon ça pas le travail pour que mon ça cap gagner soit ticket là ou bien résidence permanent moi que tu as vraiment changé d'idée moi c'est pas une bagarre la fête là mais par et qui ça moi au changer mais et travail là moi son bon travail parce que yo pas fait pour seulement mon qui était dans meeting là mais moi que yo fait des promesses côté que yo prend non mon qui t'a gagné entre meeting yo mon qui geta geti petit 4 là qui en forme de papier là ou pas le travail pour que mon ça ga geti 4 petit 4 là moi que yo di pas le travail n'a pas de travail yo et ça mystifié seulement moi tout bagaille bien passé mais un seul bagaille qui pas fin correct moi me penser que réunion t'a plus fondé moi c'est t'a plus fondé parce que moi même Mjis et besoin résidence permanente parce que une date interview dans Comal et date la guette en passé là me pensais que dans cas ça yo tapé des moins bon yo dit me c'est Comal pour me temps ouvrir
avant d'aller moi joindre parce que moi au prend nom yo voulait pour ta bam travail avec petit 4 mois m'ta bien content ça va. Est-ce que satisfait des réunions jusqu'à présent? Oui, me satisfait. Moi chef frère j'ai été dit me réunion été à bon. Malgré moi je ne comme ça bon, me satisfait quand même parce que je ne sais pas si je suis vraiment enregistré dans la Comal première. Bon, comme c'est dans la Comal première, je suis bon, je checke pour moi là, je dis que je suis enregistré. Je suis toujours parce que dans le Mexique, la bagay, je suis tellement belle, même là, tellement sans papier, parce que je ne suis pas travailler sans papier. Bon, bon, non? Ah, si on a besoin, et bon, téléphone moi dans tous les côtés, net, oui. Dans tous les côtés, tout, sur tous les réseaux sociaux, téléphone moi c'est 55 34 74 84 16. M'a dit l'anti Jean Pile et Pilan, et c'est 55 34 74 84 16. Quel que soit l'air ou écrit, du moment que je suis disponible, m'a répondu. Moi-même, c'est serviteur de la nation. Qui. Pourcentage monde qui est déjà orienté par rapport à l'interview qu'il te fait et qui compte où est qu'il arrive exactement? Ah, faut me dire que l'interview ça qu'il fait autrefois parce que m'était parlé à Kem et me dit vérité à Jean Lié, moi même son nèg me parle même menti, me dit vérité à Kem, me dit toute bagaille yo Jean Lié. OK? Et faut me dire que et interview ça fait un pile impact. Plus monde qui relève c'est monde qui vit aux États-Unis. Donc monde qui vit aux États-Unis qui dit que yo regrette amèrement que yo pat et rete Mexique et c'est juste les, et non seulement yo pat rete Mexique mais plus gros erreur que yo fait yo pat gen résidence Mexique là qu'on y a dit que yo tap vin investi normal dans pays Mexique. OK, mais gen en retour on prend qui gen temps soit gen papier l'autre bois et aux États-Unis qui favoriser et voyager qui déjà planifié pour venir faire papier ici au Mexique. Venir font un mois, un deux mois, un trois mois ici au Mexique pour organiser ça faire papier parce qu'il y a une intention pour venir investir, acheter caille, acheter terre et même faire business ici au Mexique. Alors, on capable comprendre que nous attirer une série de diaspora qui décider d'investir dans le Mexique. Il y a effectivement parce que normalement qui ça vient arriver. Par exemple, et autrefois on et un citoyen cap dit que dans l'État Floride, aux États-Unis, on dit qu'à écouter qu'on loue $700 américains, je veux dire, c'est $2000 américains qu'elle a loué. OK? Ça veut dire, normalement, ça, moun yo a touché aux États-Unis, il vient pas utile, yo grand chose. Yo pas qu'à faire gros bagay ensemble avec elle. OK? Et c'est une raison, après des millions d'Américains même, à quitter les États-Unis, je veux dire, pour venir installer ici au Mexique. Et ça fait le président Mexique là très mal parce que mon a vivre en pile américain a vienne vivre illégal ici au Mexique. OK, parce que normalement et il faut qu'on ait que américain vienne faire caille monter très cher ici au Mexique, vous comprenez? Et même il y a pas de problème, on prend un petit caille qui était qu'on louer et 2 3 4000 pesos, il y a même pour le 8000 pesos, pour le 10000 pesos, vous comprenez? Parce que si ça sorti ensemble avec aux États-Unis, il permet de vivre bien ici au Mexique. OK. Et c'est ça tout, moi en pile haïtien jodi a vinn comprendre même réalité ça américain yo comprendre nan pour yo quitter les États-Unis pour yo vinn vivre dans l'autre pays. Comprendre, et m'te toujours dire ça, petit pays a offre plus possibilité, pas petit pays en quelque sorte non, mais Mexique son pays G20 et c'est 12e économie monde là jodi a. OK? Ça veut dire si on moun et yon nan bagay, m'pense que hier m'a pensé pour m'te voyer article ça ba ou Leonard Chou m'poko voyel, c'est que jodi a Mexique et voyez la Chine GT, li voyez Canada GT et il prend première place comme premier partenaire pour les États-Unis. Ça veut dire entre deux pays côté plus gros l'argent à brasser dans le monde là aujourd'hui, c'est entre Mexique et les États-Unis. Ça veut dire qu'on paquet pile opportunité Mexique aujourd'hui que nous même haïtiens nous capable profiter. Effectivement, nous même haïtiens nous capable profiter. Mais malheureusement, toujours dit gon grain bagaille qui écraser nous comme haïtiens, c'est éducation. C'est façon de lever nous, c'est ça, te mettre dans tête nous. Qui permettent que nous avons souffert aujourd'hui, nous avons fait de pays en pays, nous n'avons pas profité aucun pays. Yeah? Ok, merci. Alors, je pense que la réunion a continué. Mounouchita, nous qui apprenons des informations, nous espérons que nous avons un résultat qui peut être. Mon cher Léonard, c'est moi-même pour remercier pour dans peu de temps, quelques jours qu'on a dans la communauté, bagaille qu'on a en réalisé là, mon cher, c'est extraordinaire. En tout cas, et nous avons continué à collaborer pour le bien de la communauté. Merci. Merci. Alors, c'était Pasteur Frisnel Joseph, qui est un pionnier dans la Fédération de la Diaspora haïtienne du Mexique.
qui bail espace ça pour que moun yo capable et faire réunion ensemble avec communauté haïtienne qui a cherché façon pour que capable régulariser dans pays là pour que capable travailler de façon légale. Pas oublier brancher Léonard Show si vous aimez ça qu'a fait là, c'est abonner, partager, quitter un commentaire et puis fait tout le monde qui dans entourage découvrir plateforme ça dans rubrique la vie haïtienne dans Mexique. Merci de ce que vous prenez le temps pour être capable de suivre le reportage. Ça. Une fois encore, Léonard Show, la vie haïtienne dans le pays Mexique, nous dans Mexico City. Côté et même équipe et monde qui a organisé le meeting devant Comal, dans l'objectif pour capable demander de régulariser dans le pays avec résidence. Alors, ACNOL, qui est l'organisation de l'ONU, qui travaille de concert avec Comal, te mandé une réunion avec tout moun yo pour qu'yo capable tande doléances yo qui objectif yo qui ça a besoin exactement. M'pense que nous te ouais et nous te tande tout presque tout bagaille. Alors merci de ce que t'as regardé, quittez un commentaire et puis n'après dans l'autre vidéo. À la prochaine.